Et les gars, okay. Ce qu'on a réservé, ouais. Ça va vraiment être cool, n'empêche. Hein. Putain, ouais, attends, là, je crois qu'on arrive bientôt. Attends, le GPS, putain, merde, mais il fonctionne encore ou pas? Je crois qu'il a. Putain, je l'avais cassé, merde, attends, bah, je pense qu'on arrive bientôt, non? Si on entre encore dans une petite forêt, là, ça a pas l'air d'être. Tu m'avais dit que c'était dans un environnement forêt. Oh, ça va être. Ouais. Oh, ça va être si. Ouais. Ouais. Vous voyez pas que la forêt est un peu flippante, là? Carrément. C'est étrange, c'est étrange de mettre un manoir ici. Ouais. Regardez, ouais. Attendez, vous savez ce que c'est devant? C'est, on dirait quoi? Regardez la forme que ça. Ouais, on dirait satanique, bizarre un peu. Ah ouais. Okay. Stylé, en vrai, la nuit, on se réveille, on fait des petits trucs. Hein. Vas-y, chaud. Ouais, vas-y. Bon, je suis pas là avec vous, mais. Ah, y'a quelqu'un. Bonjour à vous. Bonjour. Je vais vous mettre sur le côté. Bonjour. Sur... Ok, pas bonjour. De problème. Ouah, wow, ouais, putain. Hop, voilà. Ah, oh, ça fait du bien de marcher après 2 heures bonjour. De route. Ah, c'est bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au manoir des Vrucar. Merci. Merci. Hein. Maintenant, je vous prie de me suivre, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. On suit. Donc, c'est vous celui qu'on a payé? Oui, je suis le maître de cette manoir. Ok, d'accord. Je vis ici. Ok, cool. Oh. Cool. Super. Ici, vous n'êtes pas seul. Il y aura d'autres clients. Ok. Ah oui, parce que, okay. Bah oui, normal aussi. C'est... Ouais, c'est en même temps, c'est public, on n'est pas non plus riche à ce point-là. Non, nous riches. on est tout. Non, putain, n'empêche, ouais. Il joue bien comme jeu d'acteur. Un petit peu, regardez quand même comment il fait tellement. Ouais, ça fait tellement réaliste et tout. Comment, ouais, comment j'ai il vu pas. Ça. Bonjour, monsieur. Son truc. Il est à fond dedans. Bonjour. Excusez-moi, les portes n'ont pas été changées depuis des lustres. Ah oui, parce que oui, c'est ce que j'ai compris, wow. Ça n'a jamais été. Les gars, ça fait vraiment Dracula ce manoir. Hein. Waouh, wow, là on n'est pas chez Dracula, mais. Ouais. Mais vraiment, ça me fait tellement me penser. Hein. Alors, je ne dirais pas Dracula, car nous sommes pas en Roumanie, nous sommes en Ukraine. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait penser. Évitez de vous égarer, je vous prie de me suivre, s'il vous plaît. Ouais. Il faudrait éviter de se perdre, ouais. C'est clair. Et gaffe, mec. J'ai tellement envie de visiter ce manoir là, j'ai hâte. On visitera après. Vous aurez le temps. Oui, on aura le temps. Alors, bon, qu'est-ce que voilà. Ce manoir est construit au 6e siècle par la famille des Vrucar. Au 13e siècle ? 16e siècle. Ah, 16e, ok. Ouf. 16e. C'est... Qu'est-ce que c'est vieux ? Et c'est bien entretenu en plus, ça va en vrai. Ouais, c'est ça que ça me pas. Honnêtement, je trouve que pour un manoir de cette envergure avec un seul propriétaire. C'est sûr que c'est bien entretenu. On en a combien de femmes de ménage? Alors là. Tu peux compter sur plus. De 5 mains. Plus de 100, je pense, hein. Pour tout entretenir. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Donc, ceci est une chapelle. Et okay. Comme je l'ai dit, ce manoir a été construit au 16e siècle, donc en 1533, par la famille des Rucal, qui ont été les seigneurs de cette région. Mais évidemment. Okay. Ils avaient beaucoup d'ennemis. Mais bon. Ouais. Bah après, comme tous les gens à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, dès que c'est bon, boum, il y a un gros château, il y a forcément des ennemis. Cela ne se voit pas, mais ces ennemis ont brûlé ce manoir dès le 17e siècle, donc en 1743. Ces ennemis étaient situés donc en Roumanie. Et le problème, c'est qu'ils étaient alliés avec la Russie. Vous doutez bien que tout a brûlé. Enfin, bref. Ouais, je vois. Ouais, c'est... On a dû faire une reconstruction, apparemment. Mais j'ai une question. C'est vrai que ce château appartenait à des anciens vampires et tout? Enfin, j'ai cru entendre ça sur l'annonce. Balivernes. Ah. Hein. Arrêtez, je pense que vous êtes majeur. Oui, c'est vrai, après tout, on est majeur. Vous ne faites c'est plus vrai, c'est vrai. Remarque que moi, j'ai seulement 17 ans, bon. Oui, bon, bientôt. Oui, bon, après, on a intérêt à sa responsabilité quand même, hein. Faut quand même pas. Donc, bon, ça marche pas, mais tranquille, t'inquiète. Alors. Donc là, on monte vers où? On monte vers vos chambres. J'ai hâte d'accéder aux chambres. La vue qu'on va avoir. Ah, tu m'étonnes. Après, c'est quand même un manoir un peu spécial, hein. Enfin, c'est peut-être pas. On n'est pas un hôtel non plus, enfin. Ouais. Mais c'est clair quand même que bon. Priez que le monsieur en noir, s'il vous plaît, veuille rentrer dans cette chambre. Chambre tout à fait modeste. Merci, monsieur. Qui a été conforme à votre prix. Tout à fait modeste. C'est une chambre de luxe, oui. Ok. Wouah, c'est trop bien. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure, mec. Ouais, on se retrouve tout à l'heure.
Ouais, ouais, c'est pas c'est moyenâgeux, donc forcément c'était bien entretenu à cette époque-là, ils faisaient attention à tout ce qu'ils faisaient. Rentrer dans cette chambre. Ok, ça va, c'est à moi. Ah ouais, quand même, c'est grand. Effectivement, moi je m'attendais pas non plus à de la qualité. Je m'attendais pas. Ah oui, enfin vous inquiétez pas. Ok, bon vas-y, à tout à l'heure aussi. À tel. Ok, ma chambre elle se trouve pas dans ce couloir. Ah oui, c'est carrément notre couloir, ok. C'est pas ici. Très bien, je suis. Ah oui, bonjour. Une petite intersection. Bonjour. Ok, très bien. Ah oui, assez imposant quand même. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, merci. Et ici là, je suis censé vous retrouver ce soir. Ouais. Nous allons pour dès 17h. Dès 17h ? Ah ok, oui, je vois. Au revoir. Au revoir. Waouh. Ah oui, quand même. Oh, le grand lit et tout. C'est assez grand quand même. Je me demande combien ça a dû leur coûter. Ah oui, une salle de bain pour moi et tout. Ouf, ah oui. On voit que c'est des meubles assez vieux, mais bon. En soi, ça reste assez. Ça reste assez correct. Bon, je devrais les rejoindre au milieu. Je devrais m'attendre. Ah, je sens que je vais me perdre dans ce château. Enfin, dans ce manoir plutôt, oui. Allez, je vais les rejoindre. Hein. Allez, on devrait peut-être aller plus vite. Après, ils vont m'engueuler sinon. Allez. Ah, c'est vrai que c'est grand quand même. Hein. Je m'attendais à quelque chose quand même de plus petit, mais. Bon. C'est pas grave. Hop. Ah bah, il y a déjà. Salut. Alors salut, ta chambre. Elle est immense, mais c'est un truc de fou. Alors les gars, c'est bon. J'ai en fait j'ai compris modeste. Que le milieu c'était ici. Je me suis perdu dans tout le château pour comprendre qu'en fait le milieu c'était ici. Sinon voilà, vu qu'on s'est donné rendez-vous ici. Sinon ça ouais moi perso ma chambre ça va. C'est juste que j'ai peut-être déjà sans faire exprès cassé quelque chose. Vous pensez qu'il y a une caution à payer ou Oh bah c'est vu, on garde ça entre vu nous. Vu l'argent qu'il a dû mettre. C'est de l'or. Je rêve. Quoi de l'or? Bah, vu l'argent qu'il a dû mettre dans son manoir, je pense que t'auras pas besoin de payer la caution, honnêtement. En soi, ça reste entre nous, hein, c'est... Non, mais au pire, je le cache, hein, je vais le mettre sous le lit, c'est bon, ça passe. En vrai, il y a personne, il y a pas de cave, il y a pas de caméra, ah non. Doit y avoir, Non, mais c'est ça, les gars, les chambres, ils sont immenses, c'est un truc de fou. Ouais. J'ai un lit pour 10 personnes. Mais c'était une grande famille quand même pour prendre un. Je sais pas, ben, ça vous ferait pas peur d'habiter dans quelque chose comme ça? Enfin, je sais pas, après, c'était une famille noble. Honnêtement, je préfère ma chambre avec mon PC que ce grand bordel là, mais. Ouais, non, mais ça change. La famille là, c'était. On est d'accord, hein, les gars, c'était la famille des réputés pour être vampires dans cette région, on est d'accord. Ma mère m'avait raconté des histoires sur ce manoir. Quand j'étais tout petit. Ouais, moi aussi, je connais des histoires, d'ailleurs, je pourrais vous raconter l'histoire entière si vous voulez. J'ai pas dormi trois nuits. Mais en vérité, voilà, tout le monde parle de Dracula quand même, mais moi je trouve que. Mais c'est vrai que l'histoire quand même, cette famille est vachement intéressante par rapport. L'ambiance oppressante un peu ici, on le sent un peu, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Tellement c'est grand, tout ça. Franchement, celui qui a eu des personnes ici, entre vous trois. Oh, j'ai eu peur de ce monsieur là-bas. Ah. Ah, bonjour monsieur. Ouais, vous allez bien? Ah, je suis juste un client comme vous. Vous m'avez surpris. C'est immense quand même ici. Hein. C'est vrai. Effectivement. Bon, je vois que le est assez réputé quand même. Hein. Ouais, non, c'est ça. En fait, finalement, ça me fait quand même. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la grandeur, ça me fait peur. Regardez les tableaux qu'il y a, regardez, essayez de lever un peu la tête, regardez les tableaux à l'étage et tout. J'ai le vertige d'en bas, c'est un truc de fou. Ouais. Et attendez, vous aussi, vous t'avez donné rendez-vous à 17h à la chapelle? Oui. Ouais. Ouais, bah oui, il nous a tous mis. Bah oui, je pense que c'est tous les clients, c'est une activité un peu comme ça. Ouais, c'est une activité genre un peu. Il reste dans le thème vampirique. J'imagine. Vous avez pas trouvé que le. Qu'il esquivait un peu nos questions quand, par exemple, vous lui avez dit, on lui a dit que c'était réputé pour avoir des vampires ici, et il a dit, ah bah l'hiverne, c'est tout, hein. Il a pas vraiment justifié, c'est étrange. C'est vrai que c'est assez louche. Et en plus, surtout qu'il a rigolé un petit peu en mode, je sais pas, moi personnellement, quelqu'un me dit quelque chose de faux,
Ouais, je sais pas. Quand on dit quelque chose de faux, je sais pas, moi je serais vexé, mais là il a été pris avec un ton. Après, je pense qu'il était dans son jeu d'acteur, mais encore une fois, voilà. Ouais. Mais bon, bref, ça vous dit, on fait quoi là? Parce qu'on reste sur place, etc. Mais je suis pas sûr, est-ce qu'on a le droit de rester sur une place comme ça, vu que c'est. Ça reste une section, etc. En tout cas, moi je propose un truc. Je propose un truc, c'est que. On va se préparer pour. Ce que j'ai compris, c'était une messe. Ouais. Voilà, pour la messe de 17h, et à 17h, on se retrouve encore une fois au milieu, ok? Bah écoute, okay. Ouais, en attendant, moi, je vais faire ma sieste, je vais faire une petite sieste, parce que sinon, je pourrais pas rester debout moi ici. Moi aussi, c'est vraiment, ce matin, le réveil à 6h, là. Ah, ça pique, hein. Ouais. Écoutez, et cette fois-ci, ok, le milieu, si, enfin, déjà, ok, ça, le milieu, c'est ici, ok, je me repère, vous inquiétez pas, je serai à l'heure à la messe. Ouais, pareil, attends, je me repère, c'est bon, de toute façon, c'est bon. Moi, je connais par cœur, là, j'ai réussi, vraiment, ce manoir, moi, tellement il est beau. Regardez ça, la vue qu'on a. Tu m'étonnes. Ouais. Beau, en vrai, ouais, ça reste beau, mais je trouve que c'est quand même glauque. C'est pas quelque chose que j'aimerais vivre dedans, quoi. Ouais, moi, honnêtement, regardez le tableau là-bas. Ça vous fait pas un peu penser un peu glauque là de voir tous ces. Des vieux tableaux, quoi. Enfin, pas des photos, enfin des tableaux, je veux dire, pardon, qui correspondent à des souvenirs à eux, je ne sais quoi, mais ouais, regardez, ça n'a pas de sens. Regardez, on voit tous, ça n'a pas de sens. Moi, je sais pas, perso, ça. Enfin, dépenser de l'argent dans des tableaux comme ça, je trouve ça un peu bête. Après, bon. Après, c'est ça qui rend le style, mais. Bah écoute, c'est ça, hein, mais bon. Le château, j'ai trouvé plus charmant quand même. Après, c'est un château de luxe, on n'est pas venu ici pour faire ça. C'est tout à l'heure. Allez, à 17h, ouais. Hein. Moi, je vais faire ma petite. À toutes. Bah tout aussi Nathan. Ouais, à toutes. Bon, je vais aller me reposer un peu aussi. Allez, vite, je vais être en retard. Ah c'est bon, ils sont déjà là. Ouais les gars. C'est bon, enfin, attends. Ça faisait 5 minutes que t'attendais là. Ah, je suis désolé, j'ai dû faire une commission, voilà. Attendez, par contre, vous pensez pas qu'on est un peu en un peu retard, faudrait peut-être y aller, non? Bonjour. Ouais, 17h08, les gars, ça vous dit que je suis le monsieur, peut-être qu'il se rend à la messe? Lui aussi, peut-être pourquoi pas? Je crois à la messe. C'est pas par là? Il est censé s'y rendre, non? Suivez-moi. C'est pas par là, alors c'est où? Tu connais où c'est? Ouais. Moi je sais pas où c'est, je pensais que le monsieur il savait, mais... Excusez-moi, vous savez où est la messe? Bah ça, suivez-nous, c'est ici. Merci. Je sais pas, c'est trop grand ici. Très bien. Je suis perdu. Ah. C'est vous les nouveaux clients du château? Oui. Vous êtes qui? Bonjour. Cette messe sera la préparation d'un grand repas. Bonjour. Je serai là avec plaisir le jour du repas. Sur ce, bonne messe à vous. Merci madame. Merci. Je vous l'avais dit qu'il y avait une ambiance glauque. Alexandre, elle t'a regardé bizarre, la meuf là. Vas-y, on rentre. Bon. On va devant. Je m'assois ici. Moi, je dis que le milieu du devant est bien. Alors, donc voilà. Ouais, moi je m'assois ici avec toi. Allons-y. Très bien. Bon, ça va commencer, je crois. Très bien. Je vois que tout le monde est présent d'ici ce soir. Aujourd'hui, ou du moins ce soir, nous allons pouvoir procéder à la messe. Comme tout passionné de vampire, peu importe. Nous allons procéder donc à nos croyances. Vous connaissez l'histoire de la vie du loup et de l'agneau? Ce sont toujours les plus faibles qui se font tuer. C'est pour ça que les plus forts doivent toujours les protéger. Mais d'ici aussi délicieux qu'il soit, un peu comme vous, on doit tout de même les protéger. D'ici l'histoire de la vie. Mais je ne pense pas que vous avez compris cette métaphore, entre guillemets. Donc, je pense que on va bientôt finir sur cette messe. Mais sachez que mes enfants... Un grand, 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 une grande surprise vous attend.
Enfin bref, je vous prie de vous lever. Excusez-moi, je dois aller uriner. C'est pour ça que cette messe était aussi rapide. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Et ouais, c'est nous avons fini cette, entre guillemets, prière. Excusez-moi, j'ai la vessie qui va exploser. Mais je tiens à préciser que demain, dès l'aube, nous procéderons à un sacrifice. Non, entre guillemets. Si vous n'êtes pas là, demain, dès l'aube, il y aura des conséquences. Allez, vous pouvez sortir. Wow. À demain. À demain. On s'en va, on sort. Les gars, on sort. On sort. Ok, on sort. Au revoir, monsieur. Merci pour la messe. Alors, à demain. Cette messe, comment s'est-elle passée? Parfait, madame. Parfait, ouais, parfait. Parfait. On doit aller dormir, on est fatigué, je dois, il y a ma mère qui m'appelle. Voilà. Ouais, c'est super. Ah. Et vous aussi, vous êtes des clients du coup? Ouais, on est des clients du manoir. Ouais. Ah, ouais, c'est trop cool cette ambiance. Moi, je suis trop un fan des vampires et tout, et c'est trop bien en vrai. Ouais, nous aussi, on est fans, mais genre, c'est cool. Juste que. Ouais, c'est vrai que, mais c'est bon. Les activités, c'est, on les pensait un petit peu moins ennuyeuses que ça, quoi. Enfin. On va dire c'est comme ça. Ah. Moi, j'adore. C'est étrange. Les gars, allez, on s'en va. Oh, on y va. J'ai eu ma dame. Au revoir. Au revoir, content de vous avoir connu. C'est pas trop chelou. Attendez, les gars. C'est pas trop chelou, ça. Vous parler. Oh, tant pis, il est parti. Ouais. C'est pas trop chelou, cette ambiance-là. Tiens. Écoutez, on va pas forcément s'impliquer dans les trucs. Enfin, attends, qu'est-ce que vous dites par là, je sais pas. Attendez, mais il a quand même parlé de sacrifice, là. C'est ouf, ce mec. Il veut nous c'est buter, ou quoi que... Attendez, venez. Sa femme, sa soi-disant femme. Attendez. En fait, je comprends pas trop ce qui se passe, là. Il y a trop de monde qui nous parle en même temps d'un coup, là, c'est n'importe quoi. Je suis sûr que c'est un piège, non, les gars. C'est pas sûr, je sais pas. Bon, du coup, c'est quoi le truc? Le délire, c'est que... Cette meuf, là, et ce mec, là... Ouais. Ils ont buté des gens. Je vous jure, ils ont buté des gens. Je les ai vus, bordel. Les prochains, c'est vous, bordel. C'est les prochains. C'est le nouveau client. C'est sûr. Faut que vous barrez. Barrez-vous avant demain matin. C'est... Pour ça, demain matin. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Moi, monsieur à la barbe. Je pense que vous n'allez pas bien. N'est-ce pas? Vous avez le nez qui coule. Vous avez de la fièvre. Je pense que vous allez venir avec moi à la fermerie. N'est-ce pas? Hein? D'accord. Tout va bien se passer, vous allez voir. Putain. Les gars. Je pense vraiment croire qu'il y a des trucs là. Hein. Ça vous dit, les gars? On va monter, on va dormir. On va monter. Je dors pas ici, les gars, je dors pas ici. Putain. Ça reste. Je sais pas si c'est le jeu d'acteur ou quoi, mais dans tous les cas, je trouve. Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, ça sert à quoi qu'on fasse ça? Normalement, les gens à notre âge, on sait faire des teufs, on sait s'amuser, etc. Je se retrouve là. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est trop vrai pour être faux, en fait. Je sais pas, c'est... Après, je pense qu'on... Après, je vous dis, l'argent, c'est l'argent, donc on devrait quand même rester, je sais pas. Mais... On a payé tout ça, et ça a quand même été une fortune. Donc, les avis sur Internet n'étaient pas mauvais, ne semblaient pas vraiment mauvais. Je m'en souviens plus, faudrait que j'aille revoir, si mais... les avis étaient montés de toutes pièces par... ces gens... De toute façon, ce serait la police au courant. Enfin, je veux dire... On n'est pas dans des science-fiction, en vérité. C'est vrai que ça fait peur, moi aussi, j'ai peur. Mais il faut se dire que tout le monde serait au courant, je veux dire, s'il y aurait des choses pas nettes ici qui se passeraient. C'est que dans les films qu'on voit des choses bizarres, quoi. Là, je vous dis, on est dans une société contrôlée par tout le monde, tout ira bien. Cet après-midi, j'ai recherché quelque chose sur mon téléphone. J'ai lu un article comme quoi il y avait toujours des vampires dans ce manoir. Et que et j'en ai déduit que c'était que s'il se passait encore des trucs étranges en rapport avec ces personnes... J'aurais déduit que l'homme est le descendant et la femme, justement sa femme, et que ils sont les deux propriétaires. T'as l'air pas sûr de toi et je sais pas, tu vas bien? J'ai l'impression que tout le monde est bizarre en ce moment, le soir. Ouais, je sais pas si Nathan t'es d'accord. Je tremble. Moi, j'ai l'impression d'être bizarre. Je tiens pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans ce manoir qui nous fait d'être bizarre, mais.
Il y a un truc qui cloche. En fait, non, mais il y a un truc qui cloche tout court, là. Je sais pas, mais je vous dis, n'inquiétez pas, de toute façon, même s'il y a un truc qui cloche, rien ne peut nous arriver. Il y a plein de monde ici. On sera forcément courant, et puis de toute façon, vous allez vous battre. Enfin, Ouais, mais ça compte pas. S'ils sont armés, ou si c'est des. Non, il faut que j'arrête de faire des idées. On devrait aller dormir, je pense. Ça serait mieux pour nous. Non, mais moi, quand je pensais que vous pensiez à des choses. Moi, je pensais à la limite, allez. Le pire du pire, ce serait que voilà, il y aurait quelqu'un de pas net, quelqu'un de voilà, mais pas des vampires, ça existe pas, je suis désolé, ça. Non, c'est vrai que ça existe pas, ça serait bizarre, enfin. C'est des légendes, après. Je sais pas, enfin, depuis notre enfance, ok, c'est des contes d'enfants. Si ça existerait, pourquoi on raconterait ça aux enfants? Enfin, plutôt pour les traumatiser qu'autre chose, enfin, au bout d'un moment, je suis désolé, mais. Oh, ok. Les gars, il faut élaborer un plan de contre-attaque. On va essayer de faire qu'on s'en sorte indemne. Parce que, d'après ce que nous a raconté le mec à la barbe, c'est vrai. C'est vraiment pas. Pas fou. C'est vrai que c'est pas ouf. Bon, écoutez, je me suis perdu, on va rentrer dans nos chambres, ok? Ouais, moi c'est par là. Ça marche? Vas-y, bah moi je crois que c'est par là. Ouais. On se retrouve demain matin. Ouais, à toutes. À toutes. Ouais, ouais. J'arrive pas à dormir, sérieux. Il fait trop chaud ici. On peut pas éteindre ces lampes. Sûr que non. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est moi ou il y a quelqu'un qui... J'entends des griffes dans la porte. Je vais voir. C'est quoi ce bordel? Putain! Pourquoi t'as sursauté? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je voulais juste... Ouais, tu m'as fait peur, attends. Hein. Merde! Putain, mais viens vite! Faut que tu me suives. Putain, merde! Ça, c'est urgent. Attends, on n'a pas le temps d'en parler. Attends, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, faut qu'on se retrouve au milieu, d'accord? C'est par là. Mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas, suis-moi, juste suis-moi, d'accord? On va faire le tour, je vais juste voir si. Comme ça, si ils sont sortis de l'arche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu m'as fait une deuxième frousse. Excuse-moi. Ok, c'est par ici. Bon, c'est assez urgent, d'accord? Ok, on a besoin de toi absolument, oui, t'es le dernier. Je t'expliquerai sur la route, d'accord? Juste, on sera assez nombreux. Je sais pas vous faire peur, mais enfin, pas trop nombreux, mais. Bon, bref, excuse-moi, c'est le stress. Ok, ils sont tous là. Ah, vous êtes enfin là. Je vous laisse prendre des explications. Ok, alors, on n'a pas trop le temps d'expliquer, il faut juste y aller et faites-moi confiance, ok? Parce que là, vraiment, c'est un truc de. Aïe, attends. Ok, venez. Faut qu'on aille dans la cour, vite. Quoi, vous saignez, monsieur? Vite, non, oui, ça, c'est. C'est rien, je vais vous expliquer. C'est. Tout à l'heure, vous souvenez quand je vous expliquais qu'est-ce qui s'était passé, qui c'était et tout. Et ben, quand le gars, il voulait. J'ai les clés, hein. Quand le gars, il voulait que j'aille à l'infirmerie, il y en a pas. Mais attendez, stop, deux secondes. Comment vous avez eu les clés? Ouais. J'ai une double, j'ai eu le temps de le faire, ça fait deux semaines que je suis là, vous inquiétez pas. Oula, vous allez être stressé, mais attendez, monsieur, attendez deux secondes. Ouais, ouais. C'est moi qui ai ramené mon pote, j'ai pas forcément envie de nous emmener dans des histoires un peu bizarres, alors que... Moi, je vous ai prévenu, les gars. Je vous ai dit que ce manoir était glauque. On va préparer un truc, ok? Dans la cour. Les gars, restez sur vos gardes quand même. Hein. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe là en fait. Vous voyez les histoires des vampires là, qui vous fait les humains et tout. Bah, c'est vrai, putain. C'est eux, c'est des putains de vampires. On est à preuve, donc. Mais. Faites-moi confiance. Et l'autre, l'ado de. L'ado là qui avait 15 ans. En sweat bleu, je sais pas comment il s'appelle, mais. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il va bien? En bleu clair, ouais. Pas du tout. J'espère qu'il s'est pas fait bouffer comme je comprends pas, là, non. c'est quoi le délire avec les vampires, enfin... Bon, écoutez, avançons, ok? Avançons. Mais je crois qu'il se passe des trucs. Je crois vraiment que ce... Comme a dit Arthur, je pense vraiment que... Ah oui, tu connais son prénom. D'ailleurs, moi... Non, moi, c'est Negan, moi. Ouais, alors, pourquoi tu étais à dire Arthur? Excusez-moi, c'est... Je faisais penser à quelque chose, c'est ça? Ah, peut-être, juste attention. C'est là-bas, je vous demande juste d'éviter de faire du bruit. Essayez de... Qu'est-ce qu'il y a là? Y a rien du tout ici, là. Mmh. Qu'est-ce que vous me dites? Allez. Y a rien ici. Allez, viens.
Mais monsieur, vous nous avez toujours pas dit pourquoi... Attendez. On va peut-être se méfier. Restez derrière. C'est moi qui ai pris la responsabilité. C'est moi. Laissez-moi pas. Je vais passer devant un petit peu. Non, le bâtiment est là-bas. Allez là-bas. Restez là, bougez pas. Mais qu'est-ce que vous dites? Ok, restez là. Mais c'est elle me dit quelque chose, cette dame, pas vous? C'est pas la folle. Attendez, on peut pas se rapprocher vite fait. C'est comme je la soupçonnais d'être la femme du monsieur. On va se rapprocher vite fait. Hein. Chuter. Ouais. Il fait qu'est-ce qu'il regarde la dame? C'est rien. J'en ai aucune idée. Oh putain! Oh merde! Les gars! C'est quoi ce bordel? Il avait raison! Non! Je vous l'avais dit quelque part! Qu'est-ce qu'on fait? Attends! On va le sauver! On sauve notre peau! Regardez son cou! Son cou est en train de décliner de sang! Putain merde, c'est vrai alors, il avait raison! C'est une mise en scène, c'est comment? Si ça se trouve, c'est une mise en scène! Mais c'est pas possible que ce soit une mise en scène! C'est pas possible! Ah, je sais pas! Attendez. Hier. Mais ça peut pas. Je vous dis clairement, hier. Cet après-midi, quand on est arrivé, j'ai visité un peu ma chambre et je sentais comme une odeur de sang. C'était vraiment étrange. Je voulais pas vous en parler, mais là, ça devient vraiment virulent. On devrait l'aider. Non, écoutez, au pire, on peut toujours croire à la mise en scène. C'est peut-être une mise en scène. Au pire, ce qu'on fait, c'est on va voir assez tous. C'est impossible. Je veux dire, il y a des milliers de clients. Ça leur serait déjà arrivé. Mais c'est quoi vraiment ce bordel? Je comprends pas. Pourquoi la meuf... Bon, vous avancez ou j'avance tout seul, c'est clair? Vous venez avec moi ou j'y vais tout seul? Voilà. On reste potes quand même. Ouais, si on doit mourir, on mourra ensemble. Enfin, on n'est pas là de mourir non plus. Non mais de toute façon je vous dis, on sera au courant s'il y aurait des choses qui se panettent, qui seraient passées ici. Je crois qu'on est un peu au courant là. C'est une mise en scène les gars. Croyez, je sais pas moi, croyez ce que vous voulez mais c'est une mise en scène. Ah ça putain pue, par contre, vous serez pas aussi, la température elle baisse de plus en plus quand on descend. Vous trouvez pas que ça pue un peu? Ah ouais, c'est une odeur bizarre. Oh putain. C'est quoi ça? Non les gars, j'ai pas envie. C'est quoi ce bordel? Les gars, j'avancerai pas plus. Il y a un hôtel là-bas. Il y a un hôtel. Bon, de toute façon, on fait quoi là? Ok, on va voir vite. On n'a pas le choix. On est rentré maintenant. Maintenant, on est condamné. On doit continuer. Si t'as qu'à rester là, je sais rien. Tu fais comme tu veux. Je vous suivrai jusqu'à la fin. C'est quoi ce bordel? Regardez, il y a du sang par terre. C'est dégoûtant, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'étais pas forcément sûr de la mise en scène, la théorie de la mise en scène était peut-être un peu tirée par les cheveux. Mais c'est des cadavres! On voit leur tête qui se décroît. Oh putain! Regardez, ils ont des sortes de petits trous sur leur dos, on dirait qu'ils ont été mordus. C'est lui! Comment il s'appelait? Les gars, on se taille. C'est le mec! On se casse! On peut plus le sauver, on peut plus sauver, il faut sauver notre peau, les gars. Non. C'est marqué quoi en dessous? Attendez, il y a écrit quoi sur son... Negan, ouais. Les humains doivent mourir. Les gars. Nous le ferons. Les gars. Attends, regarde. C'est une embuscade. Viens voir. C'est quoi ce délire? Regarde le Morgan des panneaux. C'est pas énorme. Oui, je viens de lire. C'est une embuscade, les gars, faut y aller. Faut partir. Ok, on se barre. Si on reste longtemps, je vous l'avais dit depuis le début, c'est une embuscade. Si on reste longtemps ici, on va juste mourir. Ok, vous inquiétez pas, là c'est bon, on est en haut, c'est bon, tout va bien, tout va aller mieux. Il y a la dame. Oh putain, merde. Non, faites pas de mal. Vous êtes morte. Vous êtes réveillé? Les gars? Alexandre? Hein, toi? Ouais. Je vous avais dit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je vous avais dit que je serais là pour le repas. Attendez, je vais chercher le chef. Comment ça? Attendez, je comprends pas là. Attends. Les gars,
Mais Bucky. Vous entendu? Attends. Bien. Yeah. Mais la prochaine fois, appelle-moi maître et non chef. Va t'occuper des clients, je m'en occupe. Putain. Je suis vraiment pas rassuré là. Moi non plus. Je t'avoue que moi non plus. Oh putain. Quelle bande de crétins. Vous faites une bonne paire. Alors comme ça on essaie de s'échapper. Et pareil, on vous a jamais dit qu'il est mal poli de fouiller dans les affaires des autres. Enfin bref. Je vais vous libérer, vous allez venir avec moi. J'ai besoin de s'échapper. Qu'est-ce que vous faites? Merde. J'ai vraiment pas envie de mourir maintenant. Non mais qu'est-ce qu'on a fait pour vivre ça là? S'il vous plaît, vous faites pas mal. Je vous en supplie, on voulait pas. Il ne fallait pas venir. Maintenant vous allez me suivre. Je pense qu'on a pas le choix. Les gars, il faut vraiment faire un plan dernier minute. Non, on peut pas. Écoutez, vous inquiétez pas, c'est la mise en scène. Allez, croyez en ça. C'est encore la mise en scène. Ronan. Quelle naïveté enfantine. Tu vois. Écoutez, monsieur, vous savez, enfin. Ouais, non, rien. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Je vais mourir! Non! Arrêtez! Qu'est-ce que vous lui faites? Ne tuez pas! Non! Un bon rôti pour ce soir. C'est à vous, maître. Vous cachez donc bien votre jeu! C'est pas bizarre, c'est... rouge. Viens vers moi. Vous l'avez dit qu'il se passait des trucs. Dès le premier jour. C'est moi là? Mais c'est moi qui ai écrit, c'est. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai l'impression que tu pues. Non mais attendez, je veux pas venir, d'accord? Je veux pas, je peux pas! Toi! Non, s'il vous plaît! Reste là. On sera tous ensemble avec mes amis, on pourra pas s'abandonner! Les gars! Ne vous inquiétez pas, je mourrai pas! Je comprends plus rien. Bon. Je vais faire quoi? Non, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que vous lui faites? Non, les gars, s'il vous plaît, trouvez un plan! Libérez-moi! Putain! On sort! Putain, les gens sont barrés! Vite, casse-toi! Putain, merde! Nathan, vite. On se casse de ce manoir de malheur! Oh putain! C'est par là, vite! C'est par où? Par là, vite! Putain, c'était quoi ce bordel? Ils viennent de tuer Ronan! On a plus le temps de réfléchir! Faut courir! C'est pas le moment! De merde! Allez! Faut qu'on aille retrouver la voiture vite! Nathan, cours! Putain de merde! Mais c'est quoi ce bordel? Je comprends plus rien! Allez, faut. Oh non, faut non, y non, aller. non! C'est quoi ce bordel? C'est fermé! Ils nous ont fermé! Va falloir nous aider! Vas-y! Écoute. Défonce le grillage! Ok, je les retire! Couvre-moi. Putain de merde! Pète le grillage, vite! On a plus le temps! Comme je peux! Oh putain, je crois qu'ils arrivent! On va essayer de la péter. Pète-la. Ah, il est là. Je vais essayer de le retenir. Oh putain. Je vais essayer de le retenir. Ah. Désolé. On a putain, désolé. Fui. Putain. Putain. Vous savez très bien que vous n'avez aucune chance. Pourquoi fuir? Laissez-moi tranquille. Putain de merde. Oh merde! C'est quoi ça? Oh!